Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien malgré ce qui nous est tombé sur la tête. On s'en doutait. Hein. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une mini-haul action. Je suis allée à côté de ceux qui est à côté de chez moi, enfin pas loin. Parce que vous vous souvenez, hier j'avais pris les Pepper Set. Bleu, enfin, entre autres, j'étais tombée amoureuse de ce set. Du coup, je me suis dit, comme il n'y a qu'une feuille à 4 ou à 5, j'ai envie de faire un mini-album pour Noël. Mini-album, je sais pas encore comment je vais le faire. Et ben, pour la couverture, ben, il faut au moins 2 pages pareil. Et je vous ai dit, j'aurais dû prendre 2. Du coup, j'en ai repris un deuxième. Et en fait, on a pris 3. Un deuxième pour faire mon album. Et s'il y a besoin, ben, plus de pages. Parce qu'il n'y a que... on a 5, il n'y en a que 5. Donc, faites couverture intérieure et extérieure. Et après, ben, il ne vous reste plus qu'une feuille à 5. Bon, du coup, j'en ai plus 3 et je voudrais faire des cartes et ATC, enfin, genre une chose, coordonnées. Bon, du coup, j'en ai pris 3. Je crois que j'ai pris les 3 derniers. Ça a dû partir à une allure parce que les bleus, il y en avait. Ben, les 3 derniers. J'avais pris ce bloc aussi la semaine dernière et j'avais regretté de ne pas avoir pris un deuxième. Et ben, c'est ce set. Donc, vous le connaissez. Je vous l'avais montré. C'est celui-là. Donc, c'est celui avec la voiture sapin dessus. On va dire le rouge. Sinon, vous le connaissez. Je vous montre ce qu'il y a dedans. Donc comme je l'avais dit, celle-là, hein, j'ai moins. Même dorée. C'est surtout ces pages. Ce sont les pages que j'adore. Vous voyez, un carreau, tout ça. Ben voilà, je vous l'avais montré, donc je ne vous le remontre pas. Donc j'ai repris un deuxième. J'avais pris aussi hier. Les petites fioles de cristal décoratif. Et moi, j'avais trouvé les deux derniers. Il y avait vert et rose. Du coup, là, j'ai pris les deux autres. Blanc et on va dire jaune. Donc, j'ai repris les deux que j'ai projet avec. J'ai trouvé, parce que dans l'autre action, il n'y en avait pas. Les rouleaux comme ça de strass autocollant mais en rouge pour Noël ça va être temps. Donc à chaque fois ils ont ça diamant tape rouleau diamant. Alors il y a 1 mètre et ça fait 1,5 cm. J'ai repris aussi les fameux pinceaux pour, uniquement pour les deux là, les deux ronds. Pour les encres, parce que en fait j'ai plusieurs encres différentes. J'ai les 13, j'ai ceux d'action, de nose, et j'ai des je sais plus en enfin j'en ai d'autres. Donc je voulais pas utiliser les mêmes brosses pour chaque encre. Un qui est plus grave que l'autre. Du coup, j'ai repris une boîte. Je cherchais dans le rayon Noël ces fameux embellissements en bois. Parce que dans le chevalier, il n'y a pas du tout. Donc là, j'ai trouvé. Il y a 6 modèles.
Mais à savoir que à chaque fois, par exemple là, vous voyez, le cheval abattu, il est sur chaque. Sur les 6, vous retrouvez forcément avec des 2. Mais il y en avait un autre que j'ai pas pris, qui est avec une voiture, voiture classique. Et j'aimais pas du tout la voiture. Moi je voulais celle-là avec le sapin. Avec. Je ne les mettrai pas dans le sapin parce que j'en fais pas. Moi je vais les découper et coller sur des boîtes, comme ça. Donc là on a la voiture, le sapin. Et en dessous on a le Père Noël sur le cheval à bascule. Voilà, on revient avec le cheval battu, il y en a la locomotive. Super Noël. C'est trop mignon. Et là, je voulais le Pyrène. Et il y a un cheval battu, mais c'est pas le même. Tu vois, il n'y a pas le Père Noël dessus. Pas tout à fait. Non, c'est pas le même. Pas tout à fait. Enfin, les couleurs. Moi, je voulais le Pyrène. Donc du coup, je suis contente que j'ai été trouvée. Et en cherchant, je suis tombée dessus par hasard d'ailleurs, en cherchant ces fameux embellissements de bois, je suis tombée sur... Alors, ils appellent ça... Il n'y a même pas le nom. C'est des feuilles décoratives. Cherchons. Des feuilles décoratives, on va dire. Il n'y a pas marqué ce que c'est. On montre. Les petites feuilles comme ça. Moi, je vais couper la tige. Et c'est pour coller. Si ma boîte de cœur, j'ai un petit décor de Noël à faire. Je vais mettre une ou deux feuilles comme ça. C'est dommage qu'ils n'ont pas fait en rose gote. Il y avait doré, autrement, je n'ai pas pris. J'ai pris blanc. Enfin, les blancs sont vraiment plus plastiques. On voit bien. Donc, dedans, bah, eux, ils mettent ça sur du les couronnes. Pour faire un décor. Donc, il y en a. On doit en avoir une dizaine. Et sinon, comme ça, il y avait une espèce de poule. Mais les boules en blanc étaient vraiment, on voit bien qu'il y a du plastique. Donc j'ai juste pris les deux là et je suis tombée là-dessus. Pareil pour mes décors. C'est des pics à partie pic de Noël. J'ai les. Sauf que ils sont à en papier, mais on dirait il y a des paillettes. Vous n'allez pas le voir, mais c'est du rouge. Les paillettes sont vraiment écrasées dedans, mais ça fait joli. Donc, on a le sapin, le faucon, l'ange et l'étoile. Et à chaque fois, il y en a. Soit de fête de Noël. Alors à chaque fois il y en a 5-6. Donc j'ai pris en rouge et il n'y avait pas en blanc. Et je mettrai des petites touches dorées. Le doré ça va quand c'est à petite dose. Ah, il y a 24 pièces. Oui, yes. Il y a 6 à chaque fois. Donc là, c'est les mêmes. Sapin, flocon, ange et étoile. Moi, je couperai le bâton. Et dernière chose, j'avais besoin d'une grande enveloppe, comme ça, vu. Parce qu'il ne m'en reste plus que 2. Il n'y a que 3 dedans. Donc, c'est format... Oui.
23 sur 34, non, 25 sur 35. Il n'y a que 3 dedans. Du coup, j'en ai pris 3. Voilà, comme ça, je suis tranquille. Voilà, c'était mignon. Je vais voir juste les paper sets bleus. Et je suis contente de les avoir trouvés, ceux-là. Après, on les aura plus. Et les pinceaux, voilà. Je voulais voir s'il y avait les. Voir comment ils étaient. C'est des blocs 15, 20 ou 15 trous. Et en bas, ça fait comme ça. Puis ça allait. Je voulais voir comment étaient les papiers. Il y en a un qui me plaisait bien. Dans les tons grossement violets. Et pas vu. Ni hier. Donc voilà, bah écoutez, moi je vous souhaite une bonne fin de journée. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye tout le monde. Et surtout, faites attention à vous. Salut.